3. Tendu. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment fabriquer un support de canne qui peut se fixer sur un flop tube, sur un mur ou dans une voiture. Moi, je l'ai fait pour ma voiture. Donc, voici le support. Et vous allez voir toute l'étape de fabrication de ce support. Allez, c'est parti. Il va nous falloir du tuyau PVC. Là, j'ai pris un bout un peu moins de 50 cm. Donc, je vais mettre peut-être 5-6 cannes dessus. Je vais faire 6 emplacements. Donc pour la première étape, il va me falloir le découper d'un côté et le mettre à plat. Donc à l'aide du décapeur thermique, on va pouvoir le mettre à plat. Allez, c'est parti. Voilà, ça avance bien. Les trous sont bien en face. Il va falloir les relier. Je vais enlever cette partie là. Je sortirai la scie sur table.
Viens là. On a toute la première partie. Bon, c'est pas parfait, les trous sont pas exactement en place. Prendre ces deux mousses, je vais les couper à la bonne largeur pour les insérer à l'intérieur. Donc allez, c'est parti, on va couper. Hop là, si. Et ça, ça vient s'insérer là-dedans. Il faut que je coupe ici. Je coupe aussi très bien au cutter. Et voilà pour la première. Après, on va percer des trous et faire des encoches. Voilà, maintenant que j'ai toutes mes mousses qui sont aux bons endroits, etc. Celle-là, on va pouvoir la retourner pour que ce soit plus propre et plus jolie, par exemple. Mais voilà, j'ai toutes mes mousses qui ont leur emplacement respectif. Les deux mousses. Maintenant, il va falloir percer des trous là, à chaque endroit. Donc, pour ça, on va prendre un marqueur et on va marquer l'emplacement des trous. Voilà. Ensuite, on va faire des encoches. Qui vont nous permettre de passer les talons des cannes. Bestion. Et voilà, le repose-canne est fixé. J'ai mis quelques cannes. Je l'ai mis dans le biais pour pouvoir rentrer des cannes assez longues. Elles sont calées de l'autre côté, au-dessus du pare-brise. Donc là, 6, 7 cannes. Donc là, c'est plutôt pour mettre les cannes non pliantes, pour transporter facilement, sans être encombré. Vous pouvez soit laisser les mouliner, soit les enlever. Ça, c'est à vous de voir, mais ça permet vraiment de les mettre rapidement dans la voiture et qu'elles gênent pas du tout. Et qu'il n'y a aucun risque de les casser. Voilà, donc elles sont bien calées. Elles sont légèrement en torsion, celles-là. Mais c'est pas. Celles-là, elles se plient de toute façon. C'était surtout la VX, les Sainte Croix qui se plient pas. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager. Ça peut servir à beaucoup d'entre vous, je pense. En tout cas, merci d'avoir regardé. Et on se retrouve pour une prochaine. Allez, ciao ciao!